Renfort. À votre service. Transporteur. Ennemi ciblé. Ah, je cherchais le transporteur, j'avais paumé. Allez, dépêchons-nous. Ça c'est bon. Le commando, je vais le faire. Et peut-être commencer à faire quelques améliorations quand même. Tirez, tirez. Le canon à ion est indispensable en fait pour dégommer ces structures. Après, si vous avez des juggernauts, vous pouvez contourner ces structures sans aucun souci. Donc, la première frappe canon à ion, là derrière pour détruire l'émetteur sonique. Le deuxième ici, parce que c'est la base aérienne moi, que je trouve personnellement le plus problématique dans cet épisode. On l'a fait sauter en deuxième. Contact établi, chef. Allez, dépêchons-nous. On y va. Cible confirmée. Hop, ça, ils vont se grader. Hop, on sort. Deux à suite. Lance-missile, on dort. Les lâchez pas. Exposition au dilithium détectée. Donc voilà, tout se passe bien. Tout est prêt. Ça fonctionne. Mon petit collecteur. Attention. C'est à nous de jouer. Toi surtout. Tu vas dire virer le Hyperium vert au centre. Canon EM, maintenant que j'ai vraiment le financement. J'améliore en priorité mes exosogas, parce que c'est vraiment une infanterie d'élite. Ok, qu'est-ce qu'on et je compte utiliser comme tech. C'est ça. Bon, certes, t'as pas de capacité anti-aérienne, mais c'est une unité très efficace contre les. Ça y est, tout est prêt. Oui, chef. D'accord, on fera gaffe. Commandant, l'opération suit son cours. Je compte tout ce qui est véhicule, quoi. On va dire ça. Ces canons en fait électromagnétiques font que c'est votre meilleure arme pour ces véhicules. Notamment les tripodes d'animation. Mettons-nous au travail. Amenez-les et je m'en occupe. À votre service. On se gare là. Ça y est, tout est prêt. Toujours pas donné les objectifs de capturer ça. J'espère que ça, en prenant. VBT, c'est quoi le plan? Ok, c'est bon. Ça fonctionnera. Parce qu'à un moment, ils vous demandent de capturer. Ils vous conseillent de capturer ça. Prêt pour les coordonnées. Le Firehawk arrive. Donc ça c'est fait. Donc ici il me manque après une amélioration, ça et ça on va y faire. C'est bon. Firehawk en stand-by. On va prendre. Bâtiment capturé en réparation. Optimisation terminée. En réparation. Et ce complexe va vous permettre de faire sortir des troupes d'infanterie un peu partout. Eh bien, allons-y. Optimisation. On y est déjà. Vous entrez dans une des bouches, vous pouvez ressortir une de vos unités dans n'importe quel autre système. Pratique le centre du terrain. Et je m'en occupe. Allez. Ok. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 unités d'infanterie dedans, vous voyez. Mon commando est là. Eh bien, et allons-y. C'est quoi ce bordel? C'est un peu comme une tempête d'ions localisée. Mais c'est impossible! Dites ça aux aliens. J'avais oublié les guns foudroyantes. A one shot l'unité d'infanterie, ça je l'avoue. Ah mais niveau one shot, non, ça c'est sûr. On approche du Tiberium. Donc ça c'est bon. J'ai l'impression que Raviation ne réagit plus. À votre service. On y va. Predator paré au combat. Se serait-il calmé? On vous reçoit. On verra bien. Or, les mammouths, maintenant, on peut les faire en série parce qu'on a largement le financement pour. Oui, chef. Ok, tranquille.
D'accord, on fera gaffe. Non, avant de fermer ma moule. Je vais construire un enquêteur, mettre carrément une raffinerie de tiberium au centre parce que le trajet quand vraiment être long. Faites attention. Prêt pour l'expansion de la base. On l'amène ici. Ouais. C'est bon, chef. Regardons aux alentours. Ça. On a le temps. En stand-by. On approche de la zone. Donc les juggernauts sont pratiques. Si vous avez notamment des unités snipers, c'est toujours aussi pratique. Hein. Unité ennemie en vue. Construction terminée. Voilà. Il faut plus de place ? J'ai ma raffinerie. Oui, chef. Mon deuxième coup de canon à ion est opérationnel. Cette base d'armement alien produit des véhicules terrestres. Détruisez-la. Donc ça va être très vite occupé. Il y a des cônes fourrantes au sud. Après, technique pour vérifier, c'est simple, vous envoyez une frappe d'orca. Bon, ça coûte 500 quand même, mais moi je trouve que c'est négligeable pour avoir du scouting. Voilà, donc icône foudroyante sont uniquement ici. Déploiement impossible. Voilà. Maintenant on peut reprendre. Ça fonctionne. Ça doit se faire réparer. Oui, char mammouth en place. Char mammouth en place. Chargeur prêt. Oui, bon, j'ai pas grand chose à dire parce que là je vous ai montré le plus dur de la mission. Juggernaut. Unité en vue. Predator paré au combat. Char mammouth. Allez-y, division blindée. VBT, c'est quoi le en place. Oui, chef. Au début, c'est plutôt tendu, mais une fois que vous avez réussi. Soyez prudent avec ce truc. Oui, chef. C'est bon, chef. Vous entendez? Très bien, chef. Toi, tu vas me récolter le tiberium de 1 parce que là. Ça fonctionne? Normalement, en amélioration, j'ai tout fait, donc j'ai plus besoin de m'en occuper. Et ça. Il me faudrait pour la suite d'autres char mammouth. Entraînement. Parce que les mammouths, c'est bon, mangez-en. Coordonnées. En mouvement. Char mammouth. Unité ennemie en vue. Oui, chef. Voilà. Allons au front. Gagnez. Char mammouth. Mammouth en mouvement. Extermination. Marais. On y va. On les descend. Oui, chef. Voilà. Unité Mettons-les. On les descend. Envoyez. On les descend à mout en vue. Char mammouth. Pareil. Voilà. Exterminez-les. Bon, vraiment vos mammouths, je vous prouve encore une fois, c'est vraiment des armes exceptionnelles. Voilà. Qu'en est-il des zones rouges? Extrait du guide de orthographe international du monde d'aujourd'hui.
Si vous pouviez porter une combinaison renforcée pour vous aventurer dans les zones rouges, vous ne pourriez voir que des paysages effroyables. Le sol n'est qu'un plateau de rochers desséchés, arides et jonchés de servitures de tibérium, dont l'éclat vert illustre mal les méfaits. À l'horizon, des formations volumineuses de tibérium pur s'accumulent sur les reliefs. Ces glaciers de cristaux renvoient un éclat vert émeraude sur les terres voisines. Levez les yeux, vous verrez un ciel nuageux et torturé, rempli d'ombres dansantes et d'éclairs. Si vous patientez encore un peu, vous verrez une tempête ionique se former, et les éclairs s'intensifier jusqu'à hanter tout l'espace qui vous entoure. Plus l'énergie incommensurable qui se déchaîne au-dessus de vos têtes viendra se fracasser contre le sol d'un tourbillon destructeur terrifiant. Ces éclairs s'accompagnent d'une tornade toxique qui massacre le sol désertique et emporte des tessons de tibérium dans son sillage, à une vitesse fulgurante. Les zones rouges se rapprochent de la surface du monde alien. Les scientifiques pensent que tibérium est en fait l'agent qui prépare notre monde à accueillir la civilisation extraterrestre et la façonne lentement afin de la rendre hospitalière pour les êtres provenant d'une autre planète. Mais ils n'ont trouvé aucune conclusion satisfaisante. Toute reproduction non autorisée du présent texte sera punie aussi durement que faire se peut en vertu de la convention du GDI contre la piraterie dictée en 2017. Allons au le summum des blindés. Bon, grosso modo, pour survivre en vous, il faut excusez-moi, j'ai oublié des mots. Pareil. Pour survivre en zone rouge, il faudra une armure d'exosoldat en fait. Pareil. Entraînement. On y va. Parce que je ne sais plus si l'armure du commando protège du tibérium. Unité attaquée. Charme en approche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pareil. Mammouth. Char Mammouth. C'est parti pour un tour. Droit devant. Allez. Le summum peut se diriger. Inarrêtable. Ici. Qu'est-ce qu'il y a? Pareil. Incomparable. Mammouth en mousse. Semi. Moisson en cours. Ouais. Pas de temps à perdre. La semi-veille là-bas. Je suis paré. Faisons un test. Entraînement. Entraînement. Amenez-les et je m'en occupe. Exposition au tibérium détectée. Ouais. Okay. Le commando n'a pas une armure qui protège le tibérium. Il n'y a que l'armure d'exosoldat qui peut protéger le tibérium. Donc, grosso modo, personne n'est en zone rouge quasiment. Hein. Oui, chef. Ouais. Ça roule. On fait ça bien. Allons. Infanterie prête à intervenir. Qu'est-ce qu'il y a? Incomparable. Oui, chef. Pareil. Oui, chef. Pareil. Char Mammouth. Prêt. Je suis paré. Qu'est-ce qu'il y a? Prête à intervenir. Pareil. Prête à intervenir. Ouais. Il y a que 3 drones, mais bon, au moins ça permet de réparer ce refront. Cool. Les unités, ce qui est pas. On décolle. Infanterie prête à intervenir. Prête à voilà. Intervenir. Parfait, je m'en occupe. Le summum des blindés. Char Mammouth. Allons au front. Qu'est-ce qu'il y a? Incomparable. Allons au front. Infanterie oui, prête chef. À intervenir. Char Mammouth. Oui, chef. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois pas qu'il se répare plus vite quand même. Prête à intervenir, prête à intervenir. Non, il se répare en même temps qu'en temps normal. C'est... La compétence n'est pas logique donc. Enfin, à une époque, c'était cumulable les drones. Mais en fait, ils ont normalisé pour qu'éviter ce problème-là où les unités se réparent trop rapidement. On y va. Notamment les unités les plus puissantes. Infanterie prête à intervenir. Infanterie prête à intervenir. En attente. Escadron d'infanterie, je m'en occupe. On se bouge. Incomparable. Allo, avion, prêt. Sélectionnez une cible. Allo, avion, prêt. Oh, sélectionnez une cible. Proche de la zone de la je sais, c'est coûteux, il me faut qu'un sniper, mais au moins. Jaggernaut. Ça sera fait.
Unité ennemie en vue. Char mammouth prêt. Elle veut pas me réparer. Paré. Artillerie mobile. Juggernaut. La zone est dégagée. C'est bon, on peut y aller. On change de position. On nous demande. Où est notre prochaine cible? Base ennemie en vue. On nous demande. Artillerie mobile. Sélectionnez une cible. Barrage ouais. Artillerie. Juggernaut. Unité ennemie en vue. Bah pourquoi vos Juggernaut seront très pratiques. En bouge. En mouvement. Faire sauter les défenses en fait anti-aériennes de la zone est la meilleure option qui s'offre à vous. Confirmé. En bouge. Sélectionnez une cible. La meilleure. Fait l'une des meilleures. Unité ennemie. Le summum des blindés. Nous. Où est notre prochaine cible? Parfait. Il faut les abattre. Unité ennemie en vue. Unité attaquée. Qu'est-ce qu'il faut? Coordonnées. Faut en descendre un. Où est notre prochaine cible? Ça va saigner. Équipe des snipers. Gagné. Oh mais non, on pousse les doigts de cette manière là. Sélectionnez une cible. Barrage artillerie. On nous demande. Équipe des snipers. Juggernaut. Infanterie en action. En mouvement. Ouais. On nous demande. C'est un choix prochain. En mouvement. On en est où? Voilà, comment on fait pour avoir la vision sur une base? Il faut les abattre. Chargé et paré. On recharge, on recharge. Artillerie mobile. On approche de la zone. En position d'attaque. Qu'est-ce qu'il y a? Tenons-les en respect. Nettoyons la zone. Renfort prêt. On les voit. Éclatons-les. Ça va, c'est bon. Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai quand même 100 réserves de Tiberium. J'y ai pas remarqué en fait. Entraînement. En attente. Annulé. Entraînement. Parfait comme un autre quoi. Donc on a que du budget. En mouvement. Juggernaut. Sélectionnez une cible.
Préparation au largage. Sélectionnez une cible. Artillerie mobile. Char mammouth en bouche. Juggernaut. Unité promue. En stand-by. Je m'étonne tout de suite. Unité ennemie en vue. Alors, je balancerai une frappe de canon à ions ici. Unité perdue. Il faut les abattre. Sélectionnez une cible. On nous demande. Il faut y aller. Gagnez. Tenez un respect. Predator paré au combat. Chargé et paré. Ouais, ça sera mon petit détachement. En place. L'opération suit son cours. Incomparable. Inarrêtable. Allons au front. Unité attaquée. On charge encore. Sélectionnez une cible. Zone en vue. Oui, chef. Donnez un respect. Confirmez. Juggernaut. On nous demande. Juggernaut. Char mammouth en charge. Vous voyez quoi en place. Artillerie immobile. Juggernaut. On est là. Équipage du Predator. Allez hop, c'est parti pour Arasia sur la base. Mince. Il est mis trop bas, mon temps. Le summum des blindés. BBT en stand-by. Il est vraiment trop bas. Char mammouth. Predator. Char mammouth en place. Infanterie sur le terrain. Allez, on y va. C'est bien. Unité perdue. C'est bon. Unité ennemie en vue. C'est parti. Infanterie sur le terrain. En stand-by. Escadron d'infanterie. Je vais y aller. Ennemi ciblé. Le summum des blindés. Char mammouth. Unité promue. Unité attaquée. On y va. Structure principale alien localisée. Destruction lancée. On est là. Ah. Infanterie sur le terrain. Escadron d'infanterie. Voilà. Reconnaissance GDI, la chute de Berne. Des positions de témoins civils qui expliquent en détail l'invasion de Berne par Israël. J'ai rentré chez moi. Quand l'évacuation était donnée, klaxon, sirène, télé, même les panneaux d'affichage de signalisation me disaient de quitter la ville. J'ai appelé ma femme enfin. J'ai essayé, mais le réseau était coupé. Pas de tonalité. Hors de la friture sur toute la ligne. On vivait au centre-ville, dans un logement de fonction. J'étais parti voir où en était les finitions du mur antipérium à l'est, de l'autre côté de la ville. 10 minutes plus tard, j'avais abandonné ma voiture et je courais. Moins de 10 minutes après l'annonce, des bouchons s'enformaient dans toutes les sorties de la ville. Un vrai foutoir. Quelques secondes plus tard, en passant devant un kiosque holographique qui faisait encore des images, j'ai pu voir Carnage. Il est mort. Le feu. Y'a personne se prend la tête à deux mains et m'armonne des paroles inaudibles en 48 secondes. Donc je cours et je commence à entendre ce léger bourdement. Je crois d'abord à ce système quelconque qui vient de se faire dégommer. Ce n'est pas ça, c'est quelque chose d'autre. Comme une machine, mais vivante, on dirait. Le son monte, j'ai l'impression que mes tapins vont exploser avant que mes jambes ne me lâchent. Le fesse s'embrie, les murs de la ville s'écroulent. Ces murs que j'avais moi-même fait construire. Et puis y'a ces trucs d'anxiété. Le personnage se prend la tête à deux mains et m'armonne des paroles inaudibles pendant 32 secondes. Qui s'illumine tout en bleu, ces machines vivantes, je cours. Vieux poumons qui me brûlent, des points de côté. Vieux poumons qui brûlent, des points de côté, mais j'approche de la vie. Il y a des trucs dans le ciel, au milieu. Ah, il y a une faute. Au milieu des autres. Plus gros, plus bruyant, comme un énorme anneau tournant autour d'un corps central, une espèce de cabine de commande. Je suis trop près pour tout bien voir, pour comprendre comment il se marche. Et au-dessus de moi, du centre de Berne, il se met à s'allumer, comme s'il se nourrissait d'une sorte d'énergie. Je baisse la tête et je me remets à courir. Pendant une seconde, tout redevient silencieux. Comme si le gigantesque machin avait même englouti le son qui se propageait dans l'air. Puis une lumière insupportable aveuglante. Je tombe, mais je me protège les yeux. De la lumière encore. Puis le silence. Quand j'ouvre les yeux, le centre de Berne a disparu.
Mon logement ne fonctionne avec. Plus rien. Juste un immense... Juste un cratère immense endroit où il y avait une ville. Et au centre, quelque chose de bleu. De bleu et de scintillant. Transcription de haute et position du contremaître du corps de génie civil, Martin Osver, Bern, sous hypnose. Donc, pour faire plus simple, vous voyez le champ de Tiberium bleu qu'on a exploité pendant toute la partie? Bah, c'était le centre-ville de Bern. Oui, de Bern. Et ça, c'est le... Si vous n'avez pas détruit, en fait, le... L'émetteur de signaux, ce vaisseau va venir et c'est le vaisseau mère alien. Donc, je vais imaginer des gars que ça peut faire. Donc 50 minutes, bon bien évidemment cette vidéo sera en deux parties pour éviter qu'elle soit trop longue. Et je vous dis à une prochaine fois, parce que je vais pas vous montrer la cinématique qu'il y a derrière, et oui je sais, je suis cruel. Je vous dis à une prochaine fois, d'ici à portez-vous bien. Et à tout le monde.